avec les 21 il y a 12 ans. Donc ça a bien marché alors. Et le format à 10. Et l'année précédente, c'est un petit format 6 ou c'est vous Toujours pour les élections présidentielles et les élections législatives, comme c'est un seul candidat, c'est des petits bulletins, dans ce que je veux dire. Après, pour les municipales, des fois, c'est des villes qui a 30, 40, 50 personnes, c'est souvent du A5, mais ils ont fait du A4, parce que c'est de 80 personnes. Voilà, c'est pas très important. Moi, je n'ai pas le format libre. Moi, je suis pour le bulletin unique. Ça fait des économies. Oui, le format. On peut jouer juste à la candidature, et puis voilà. Pour les référendums pareil. Mais ils n'en veulent pas parce que ça donnerait trop de poids aux petites candidatures. Et il faut que ça soit éliminé par l'argent. On n'est pas en démocratie, on est en plutocratie. C'est pour l'argent que le pouvoir. Ceux qui financent les candidats comme Macron, là, les milliardaires, c'est l'argent. Alors que c'est un peu de l'alliance extrême gauche, extrême centre. Moi, je pense que c'est juste opportuniste pour passer des élus. Après, ça va devenir demain soir. C'est-à-dire que je pense que bon, le Rassemblement national n'aura pas la majorité suffisante pour gouverner. Et en fait, Macron, il prendra les gens du centre droit, du centre gauche, du centre, etc. Mais pas Mélenchon. Il n'y a plus de possibilités entre Hollande, Wiesmann et Macron, qu'entre Hollande avec Poutou ou Mélenchon. Voilà. Et donc on aura le droit de pousser encore au verre 9-3 alors. Comment ? On aura encore le droit de pousser au verre 9-3. Ouais, ouais. Alors on va manger quoi. On va faire une orphie de 49-3 quoi. Il y a des réformes constitutionnelles à faire pour établir la démocratie, pour faire présenter vraiment la volonté populaire, et ça, ils en veulent pas. Donc, ils préfèrent tout ce système complètement briqué de brosse pour garder une souveraineté qui arrange ceux qui sont déjà au pouvoir, quoi, les puissants, les milliardaires, les banquiers, etc. Ils veulent maintenir. Il y a fait des guerres, des peuples, les ordinés, gazés. Du moment que c'est les mêmes qui gouvernent, ça continuera. Ouais, ouais. Bon, finalement, il a bien joué, le Macron. Il a fait un beaucoup d'arnaques. Je sais pas, moi, j'ai pas encore compris les motivations. Ouais. J'ai entendu dire qu'il avait reçu Larry Fink, le PDG de. La crotte huitaine. Ouais. Il avait des diversions à faire. Il y avait le procès sur Brigitte Macron, là. Ouais. C'était pas en juin. Donc, ça a pu jouer ça aussi. Ben, ce qu'il a réussi à faire, déjà, c'est son premier passage, il a viré la droite et la gauche. Ouais. Et maintenant, il faut qu'il reste. L'extrême gauche et l'extrême droite, il va aller beaucoup aussi après. Ouais, il a tout cassé. L'extrême droite, là, c'est pas tout seul, hein, c'est pas droit des cons et tout ça. L'extrême droite, c'est réussi à placer quelqu'un premier ministre avec la crise qui va nous pousser sur la figure. C'est-à-dire qu'un premier ministre d'un État en faillite, il va rien faire. Ah, mais je ne crois pas. Ils ne vont pas assez de pousser. Il n'y a pas intérêt de devenir premier ministre, le bord de là. Il y a tout le monde. Si on se présente aux élections, c'est quand même pour un moment pour gouverner, pas pour poser ses idées ou pour une ambition personnelle. Donc, ce qui est sûr, c'est que lui, Marine Le Pen, il se tire un peu la bourre. Donc c'est vrai qu'il a intérêt de faire une façon qui calcule. Quoi. Elle s'occupe de la présidentielle. Lui, la sécurité européenne et tout ça, les initiatives essaient d'être au gouvernement. Ouais. On va en verra. Ouais. Faut pas se faire trop d'illusions, hein. Il y a ce qu'on appelle la mélanisation. Donc Meloni, elle dirige l'Italie. Mais
29% là aux européennes, hein, alors qu'elle avait fait 26% et ça ne s'est pas depuis le Premier ministre. Et il y a 5 ans, au municipal, elle n'avait pas pris 6%. Donc les gens sont relativement satisfaits de ce qu'elle fait, mais c'est hyper affaibli. Hein, pour les immigrations, elle n'a pas renvoyé les immigrés, énormément d'immigrés dans leur pays. Hein. Donc ça fait que les gens qui sont en train du pouvoir, en fait, ils se standardisent énormément. Il n'y a pas grand-chose à répondre. Maintenant, le pouvoir d'un président, d'un premier ministre, à l'heure actuelle, c'est minable, je pense. Oui, François Mitterrand le racontait, hein. Il y a Daniel Mitterrand qui disait, bah, pourquoi quel pouvoir, pourquoi tu ne fais pas les réformes? Non, bah non, mais c'est pas moi qui ai le pouvoir, hein. C'est les États-Unis, on est en guerre contre eux, et c'est eux qui décident. Voilà, il y avait Hugo de Gaulle qui avait réussi à jouer un peu... après, il y a eu le 1905 contre lui. Il y avait 68, ça a été favorisé par les États-Unis. Il y avait l'association la franco-américaine, là, dans le 14e, où elle est les jeunes gauchistes. Alors, voilà, donc il fallait le renverser. Donc, c'est tombé par la révolution étudiante qui nous ont pas dominé. Et après, les gens qui étaient autour de Gaulle, il y a eu le référendum, ils ont décidé de faire voter contre lui, de le faire sortir. Il pouvait des réformes intéressantes, hein, sur la participation à la entreprise, etc. Et le capitalisme, c'est une réforme. Ouais. Alors, de Gaulle, c'est un militaire, c'est vrai qu'il fallait qu'il dégage. Il avait un autre indépendant, avec le temps, par exemple. Il avait fait ses preuves, parce que bon, le Gabriel Attal, le Macron, ils ont fait leurs preuves d'une autre façon. Ouais, on a déjà soumis des tirs, des contre-maîtres. Ouais, on a failli.